Avec un poussé cri de joie pour le roi. Père éternel, parle-nous, visite-nous ce soir. Merci pour la grâce et pour l'huile que tu as rendue disponible. Fais-nous du bien. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Et qu'un peu acclamé pour le Seigneur. Merci. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours un grand plaisir et une joie pour moi de me retrouver dans ma maison. Je voudrais dire merci à Dieu qui a rendu possible ce moment. Merci en particulier dire merci au pasteur Ken. Une bénédiction pour ma vie, ma famille, mon église. Un vrai ami au vrai sens du mot. Et une source de bénédiction pour le monde entier. Et si vous aimez le pasteur Ken, vous aimez maman Nathalie, vous aimez Philadelphie, Philadelphie, vous aimez tous les pasteurs qui travaillent à côté, est-ce qu'on peut honorer la grâce et ce qu'il représente pour le royaume? Il est précieux pour nous tous. Et nous prions que Dieu les garde longtemps. Parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir au travers de sa vie. Et comme vous le savez, c'est toujours une bénédiction pour nous d'être accompagnés par ma femme. Je lui dis merci pour les conseils, les soutiens, la présence. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Parce que nous l'envoie vieillir ensemble. Et je t'aime énormément, que Dieu te bénisse. Merci. Merci. Alors, rapidement, par la grâce de Dieu, nous allons faire notre lecture dans Actes chapitre 12. C'est un texte très bien connu. On a utilisé ce texte juste pour poser un fondement ce soir. Je voudrais aussi dire merci à tous les orateurs qui nous ont précédés. Tous ceux qui sont passés du haut cette chair, commençant par le pasteur Ken. L'homme de Dieu, le pasteur Mehdi, pour le bon travail. Est-ce qu'on peut honorer sa grâce? Le pasteur Ken. Et tous les hommes de Dieu, l'homme de Dieu Jires, pasteur Trésor, ceux qui ont travaillé dans n'importe quelle session, que le Seigneur Dieu le bénisse. Acte chapitre 12. Je lirai rapidement du premier verset. Je pourrais arrêter vers le verset 18, mais je vais faire une lecture très rapide. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 squads, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant « Lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. » Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Il fit ainsi, l'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau. » Et suis-moi. Puis sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Et ils sortirent et avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient.
Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle », mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit le jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à la recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les amener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole du Seigneur? Prenez aussi Psaume 68, 21. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Alors ce soir, je parlerai sur l'impact de la face de Dieu qui brise le joug. Répète après moi l'impact de la face de Dieu qui brise le joug. Plus fort que ça, l'impact de la face de Dieu qui brise le joug. Donne-moi un bon amen. Amen. Alors je voudrais, par la grâce de Dieu, essayer de mettre quelques fondements importants par rapport à mon enseignement. Nous avons un texte qui nous présente une autre facette de la face ou de la personne ou de Dieu dans le texte de Actes chapitre 12. Parce que nous rendons compte que l'Église est en train de traverser un moment de persécution à cette époque. Et c'est Hérode qui est en train de gouverner. Il maltraite quelques membres de l'Église. Au lieu de s'arrêter là, il va aller plus loin pour tuer Jacques. Et l'abbé dit, voyant que cela était agréable aux Juifs, il va encore arrêter Pierre avec l'intention de le faire comparaître le jour suivant. Mais ce qui m'étonne, c'est de constater que le verset 5, l'Église s'est lancée dans la recherche de la face de Dieu. Ils ont commencé à chercher le Seigneur. Et dans ce contexte, par rapport à ce qui se passe, ils savaient pourquoi ils priaient. Ils avaient des objectifs qu'ils poursuivaient. Et la Bible dit, Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui de prière à Dieu. Bien-aimé, écoutez ce qui se passe. L'ange va entrer dans la prison. La lumière va briller. Et quand il essaie de réveiller Pierre, la Bible déclare que les chaînes tombèrent et il lui donna quelques instructions qu'il fallait suivre. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui bénit ma vie dans ce texte, c'est de voir qu'il y a un Dieu au ciel qui, quand les gens les cherchent et tout leur cœur, il peut changer le cours des événements dans leur vie. Alors je vous propose quelques objectifs que nous allons poursuivre ce soir. Je voudrais que vous puissiez noter que la première des choses, c'est que nous voulons révéler la facette du Dieu de la délivrance. Quelqu'un peut dire amen? Amen. La facette du Dieu de la délivrance et ses manifestations. Mais deuxièmement, nous voulons démontrer l'impact de la présence de Dieu dans nos batailles. Lorsque le peuple cherche le Seigneur et qu'il parvienne à trouver sa face, quels sont les résultats qui se passent lorsque la face de Dieu
est trouvé par les personnes qui l'ont cherché. Et nous voulons être d'accord que dans la soirée d'aujourd'hui, quelqu'un va trouver le Seigneur. Et que quelque chose de plus grand va se faire dans ta vie que tu n'oublieras jamais. Je dis que tu n'oublieras jamais. Mais aussi, troisièmement, c'est susciter la soif de chercher continuellement le Dieu de délivrance, la face du Seigneur. Nous voulons pousser chacun de nous davantage susciter la soif de chercher continuellement la face de Dieu. Et aussi, le dernier objectif que j'aurai dans la soirée, c'est aussi proclamer la délivrance des captifs. Vous savez, quand je lis la Bible et que j'essaie de discerner les deux textes de Ésaïe chapitre 61 et Luc chapitre 4, je me rends compte que le prophète Ésaïe parle de Jésus. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et puis il descend en disant, pour proclamer la libération, la délivrance des captifs. Et maintenant, quand les années passent, c'est que lui-même, la personne sur qui la prophétie était donnée arrive dans le temple. Il prend le rouleau dans le temple, il ouvre Ésaïe. Il dit, l'Esprit de l'Éternel sur moi. Il définit les choses pour lesquelles il est oint. Mais il spécifie qu'il a été aussi oint pour proclamer la délivrance des captifs. C'est-à-dire que avant que la délivrance n'arrive, elle est précédée par la proclamation. Il y a une puissance dans la proclamation de la délivrance. Et dans la soirée d'aujourd'hui, la grâce de Dieu va faire en sorte que des gens qui ont été captifs dans un domaine quelconque, à cause de cette efficacité de la présence de Dieu, qu'il y ait une libération qui va s'amener, une libération qui va s'imposer. Tu me dis amen, je continue à parler. Répète après moi ce soir, le Dieu que je cherche va se révéler à moi. Quelqu'un dit amen. Amen. Alors notez un peu ceci. Dans la Bible, Dieu a plusieurs facettes. C'est le même Dieu, mais qui se présente dans plusieurs facettes. Et ces facettes sont révélés par les différents noms ou attributs des dieux. J'ai suivi le pasteur Ken, je crois, entre vendredi ou jeudi. Il a pris vraiment son temps pour commencer à donner les attributs des dieux. En parlant de El Shaddai, en parlant de Elohim, en parlant de Shaman, c'est le même Dieu. Mais tous ces noms ont le mandat de révéler les différentes facettes de sa personne. Et aujourd'hui, j'aimerais ajouter à la liste de facettes de Dieu, des attributs de Dieu, un aspect qui a été longtemps défini plusieurs fois dans un seul contexte. Et cet attribut-là, c'est la délivrance. Dis après moi la délivrance.
Alors quand vous cherchez la définition de la délivrance, la délivrance est définie comme l'acte par lequel on délivre celui qui est oppressé. Et ça, c'est une dimension connue. Donc libérer quelqu'un de quelque chose qui l'a entravé. Et cette dimension est liée plus à la manifestation de cette puissance ou de Dieu. Mais en faisant des recherches dans la Bible, je me suis rendu compte que la délivrance n'est pas seulement l'acte par lequel Dieu délivre les gens, mais je me suis rendu compte que la délivrance est une identité de Dieu. Ce n'est pas simplement une manifestation, mais c'est une identité, donc, comme une attribut, comme un nom de Dieu. Et cela se retrouve dans Ésaïe chapitre 12, verset 2. Et je veux que nous puissions lire cela. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dieu est ma délivrance. On n'a pas dit qu'il est le Dieu de délivrance. Parce que quand on dit qu'il est le Dieu de délivrance, c'est par rapport à ce qu'il va produire pour libérer. Mais quand on dit Dieu est ma délivrance, c'est-à-dire que la délivrance n'est pas seulement une action par laquelle Dieu libère les gens, mais c'est une attribut de Dieu. Quand il s'impose dans ta vie, il n'amène pas seulement la délivrance, mais il est lui même ta délivrance. Je suis venu dire à quelqu'un, nous n'allons pas seulement chercher la délivrance, mais nous voulons avoir celui qui s'appelle la délivance. C'est-à-dire, quand il entre dans ma vie, il ne produit pas seulement des manifestations de délivrance, mais le fait que je reste connecté à lui, il est ma délivrance, il est mon salut. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est possible de vivre la délivrance, une manifestation de délivrance, sans être connecté au Dieu qui s'appelle la délivrance. Et je vous propose deux exemples. La fille de la femme cananéenne n'a jamais rencontré Jésus. Elle était restée à la maison. Et c'est sa mère qui est allée rencontrer Jésus. Mais à partir de la foi de sa mère, elle a vécu la délivrance sans être en contact avec le Dieu de délivrance. C'est possible dans l'église, à cause de l'onction qui est présente comme ce soir, de vivre des délivrances, mais sans avoir une connexion particulière. Et cela est un piège. Pourquoi? Parce qu'on risque plus de jouir de la chose que Dieu nous a donnée sans avoir une communion avec celui qui entretient la chose. Je peux aller encore plus loin. Le serviteur du centenier, il était resté à la maison. C'est le centenier qui est allé voir Jésus. Et le centenier avait une connexion avec Jésus. Il a dit, si tu dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Il a rencontré la puissance de la guérison, mais il n'a pas rencontré le Dieu de guérison. Le piège, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un vit les choses de Dieu sans avoir une communion avec le Dieu des choses, il sera ingrat, parce qu'il ne reconnaît pas la source majeure de la chose. C'est pourquoi dans ce travail, nous ne voulons pas seulement avoir des délivrances. Nous voulons avoir le Dieu lui-même des délivrances avec nous. Je veux que tu marches avec lui. Je veux que tu dors avec lui. Il n'amènera pas seulement la délivrance, mais il sera ton ami et ta plateforme de délivrance pour toute ta vie. Et pendant que je parle, je me rends compte que c'est la même chose qui est arrivée encore
noces de Cana. Jésus change l'eau en vin. Yes, bongo lima ina vino. Mais quand les couples goûtent le vin, ils ne savent même pas qui a changé. Ils ont goûté une chose dont l'origine était ignorée. Ils ont bénéficié d'une chose surnaturelle sans avoir une relation personnelle avec la source. C'est pourquoi il est important que je dise à l'église, quand je parle de la délivrance ici, ce n'est pas simplement un fait de puissance. Mais la délivrance, c'est une facette de la personne de Dieu. C'est pourquoi Esaïe a dit, Dieu est ma délivrance. Alors, la définition que nous connaissons de la délivrance, qui est le fait de chasser les démons ou d'être libéré d'une situation dangereuse, est liée à Psaume 68, verset 21. Dieu est pour nous les dieux des délivrances, au pluriel. Il est pour nous le Dieu des délivrances. Et ça, c'est lié par rapport à ce qu'il peut faire. Mais par rapport à Esaïe, Dieu est ma délivrance. C'est une attribut lié à sa personne. Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu ce soir, je voudrais attirer votre attention sur le verset 5. Pour ceux qui écrivent, écrivez quelques remarques sur Actes chapitre 12, verset 5. Actes chapitre 12, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui de prières à Dieu. Alors nous voulons tirer trois remarques importantes qui vont nous servir de fondement pour l'enseignement de ce soir. Notez ceci. L'église a prié continuellement pour Pierre, car elle avait une révélation claire de la facette de Dieu en tant que délivrance. L'église a prié continuellement pour Pierre, car elle avait une révélation claire de la facette de Dieu en tant que le Dieu de délivrance ou source de délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais vous dire une chose. Chaque prière que nous adressons à Dieu trouve sa réponse dans une facette de sa personne. Il n'y a aucune prière que tu peux adresser qui ne trouve pas d'avance déjà une réponse dans une des facettes ou des attributs de Dieu. Toutes les prières qu'on peut faire, même si tu es ignorant de l'attribut qui est en connexion avec le sujet, mais chaque prière que nous faisons est précédée déjà par une attribut que Dieu s'est donné lui-même. C'est pourquoi quand ils étaient en train de prier pour Pierre, en réalité, ils étaient en train d'implorer la manifestation d'une facette de Dieu appelée délivrance. Et pour ceux qui écrivent, notez que ta persévérance dans la prière dépend de la révélation que tu as sur la facette de Dieu que tu désires expérimenter. Ta persévérance dans la prière dépend de la révélation que tu as sur la facette de Dieu que tu désires expérimenter. La raison pour laquelle l'église prie pour Pierre, c'est parce que l'église avait
une révélation sur l'identité de Dieu en tant que délivrance. Est-ce comme ça que quand il prie, même si Dieu n'a pas répondu instantanément, leur persévérance était soutenue par la révélation qu'ils avaient de Dieu en tant que délivrance. Celui qui connaît Dieu par rapport à une facette quelconque ne peut pas arrêter de le chercher juste parce qu'il ne s'est pas révélé au premier jour. Il continuera parce que cette révélation qu'il a est plus forte que l'absence de la réponse. Et la personne qui a la révélation de Dieu comme un Dieu de délivrance, même si au premier jour rien ne s'est passé, mais le fait que tu connais que la délivrance n'est pas seulement un fait que Dieu produit, mais c'est une identité de Dieu, je vais continuer à le chercher, je le chercherai continuellement parce que c'est lié à sa nature et non simplement à des choses qu'ils peuvent faire. Et Dieu ne peut pas se renier. Donc si Dieu refuse de te délivrer, au moins dans sa souveraineté, mais dans sa nature d'être le Dieu de délivrance et d'être lui-même la délivrance, il ne peut pas se renier. Et pendant que je suis en train de commenter sur ce texte, l'Esprit de Dieu m'a ouvert une fenêtre juste pour commenter sur ce qu'on est en train de voir. Ta prière ne se formule que dans les limites de la révélation de la facette de Dieu que tu connais. Je répète, toute prière qu'un homme peut faire ne se limite que dans le paramètre de la révélation qu'il a de Dieu. Aucun homme ne peut prier au-delà de ce qu'il ne connaît pas de Dieu. Tout le monde prie en fonction de la taille de sa connaissance et de son ignorance. Pourquoi y a-t-il des gens, quand ils ont prié 20 minutes, ils sont fatigués? Et d'autres peuvent prendre des nuits et des nuits en train de prier. Il y a un problème. Le problème n'est pas les minutes. Le problème, c'est que l'autre qui n'arrive pas à traîner devant Dieu, il est limité par la taille de la révélation de Dieu. Parce que plus Dieu se révèle à toi, plus tu te couvres de vide. C'est dans la révélation de Dieu que tes imperfections et tes vides sont exposées. C'est pourquoi Esaïe a prophétisé dans Esaïe 1, Esaïe 2, Esaïe 3, Esaïe 4, Esaïe 5, mais il n'avait jamais constaté qu'il avait des lèvres impures. C'est dans Esaïe 6, quand Dieu se révèle et que la gloire descend dans le temple, alors il va constater. C'est comme qui dirait, il fallait qu'il y ait la lumière de la face de Dieu pour que son état qui était invisible à ses yeux devienne visible. Est-ce que vous savez que les gens qui cherchent la face de Dieu n'attendront jamais les remarques des gens pour changer? Parce que le fait que tu es exposé devant Dieu, avant que cette lumière ne te révèle la sorcellerie, avant que ça ne te révèle ce que les autres font, ça va te révéler ton impureté. Et ce qui fait qu'avant que tu ne corriges les autres, tu vas d'abord enlever la poutre qui est dans ton œil, parce que cette révélation est venue éclairer tes imperfections. Et maintenant, en retour, c'est dans les limites de cette révélation que tu vas maintenant commencer à formuler des prières.
Alors aucun homme ne peut avoir une vie de prière qui est plus grande que la taille de sa révélation sur Dieu. La raison pour laquelle j'aimerais passer 7 heures, 8 heures moi-même avec Dieu, c'est parce que ayant été exposé à la lumière de ce que Dieu est, je me suis rendu compte que je ne le ressemble pas encore. Mais une personne qui n'a pas la révélation claire de Dieu ne verra pas pourquoi il faut aller prier. C'est pourquoi parfois on ne doit pas forcer les gens de prier s'ils si n'ont pas encore eu la révélation. Et pourquoi une femme comme Marie peut dire à Jésus, ils n'ont pas de vin? Parce que rappelez-vous, c'est le premier miracle de Jésus. Donc, pendant les 30 ans où Marie a passé avec Jésus, Jésus n'a jamais opéré un miracle. Alors c'est sur base de quoi qu'elle formule une telle prière, qu'elle expose le besoin de la fête? Parce que l'homme ne doit prier qu'en fonction de la taille de sa révélation. C'est comme ça que je suis rentré en arrière. Je me retrouve dans Luc chapitre 2. Au 8e jour, Marie a amené l'enfant Jésus au temple. Et Siméon est venu. Il a prophétisé en disant, cet enfant, c'est la gloire d'Israël. En d'autres termes, Marie a gardé pendant 30 ans dans son cœur la révélation de qui était Jésus. Il était la gloire, il était la lumière. Ce qui fait que même dans l'absence de miracles, parce que Jésus n'avait jamais fait de miracles, mais parce qu'elle avait la révélation que Jésus était la gloire d'Israël, c'est en fonction de ça qu'elle est allée lui dire, ils n'ont pas de vin. Même si je ne t'ai jamais vu faire un miracle, mais je me rappelle, au 8e jour, après ta naissance, un homme de Dieu avait dit, tu es lumière. Cet enfant est destiné à amener les relèvements et la chute et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. C'est sur base de la révélation. Ma prière ce soir, que le Dieu de délivrance se révèle à toi. Je dis que le Dieu de délivrance se révèle à toi. Je dis que le Dieu de délivrance se révèle à toi. Si le Dieu de délivrance se révèle à vous, vous n'allez pas limiter la délivrance seulement au tombé. Même avoir un cœur sans haine, c'est une manifestation du Dieu de la délivrance. Ma prière ce soir, que le Dieu de délivrance se révèle à toi. Et c'est lorsque cette révélation entre dans ton esprit que tu commences à prier au-delà de la limite de tout le monde. Est-ce que savez-vous que ne pas critiquer les gens quand ils sont absents, c'est aussi une délivrance par rapport à l'hypocrisie. Mais le grand problème, c'est quoi? Si la définition de ta délivrance n'est liée qu'aux manifestations, tu ne sais pas que le Dieu délivrance lui-même peut enlever tout ce qui n'est pas digne de son nom. Cette semaine, il n'y aura pas seulement la délivrance par rapport aux démons. Il n'y aura pas seulement la délivrance par rapport aux problèmes. Il y aura même la délivrance par rapport au cœur. Parce qu'il y a des choses qui sont en nous qui ne prouvent pas au monde que réellement le Dieu que nous avons, c'est un Dieu de délivrance. Comment parmi nous il y a les poisons? Comment parmi nous il y a les divisions? C'est-à-dire qu'il y a une dimension de Dieu en tant que délivrance qu'on n'a pas encore vécu. C'est
Dis à ton voisin, la puissance sera là. La puissance est là. Mais elle ira au-delà des manifestations pour toucher l'intérieur. Amen. Que le Dieu qui me parle pendant que je prêche commence à se révéler à toi comme le Dieu de la délivrance. Donne-moi un bon amen. Deuxième chose que je voudrais que nous puissions remarquer, c'est que l'église croyait dans le Dieu de la délivrance et s'attendait à voir ces manifestations. L'église croyait dans le Dieu de la délivrance, dans le Dieu de délivrance, et s'attendait à voir ces manifestations. On est toujours au verset 5. L'église faisait des prières, adressait des prières, ils cherchaient le Seigneur continuellement. Pas seulement parce qu'ils avaient la révélation sur le Dieu de délivrance, mais c'est parce qu'ils avaient la foi et ils s'attendaient qu'il allait se manifester. C'est pourquoi ils n'ont pas cessé de prier, parce qu'ils avaient la foi dans le Dieu de délivrance. J'aimerais faire une déclaration. Toute prière authentique est une expression de foi en fonction de la révélation que tu as sur Dieu. Écoutez, toute prière qu'un homme fait qui demande quelque chose de Dieu, ça peut être la guérison, ça peut être la délivrance, ça peut être la restauration. Toute prière authentique vient comme une expression de la foi. Parce que sans la foi, personne ne peut pas croire que Dieu est le rémunérateur de cette personne. Alors si Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, alors ceux qui le cherchent ont la foi qu'il va les rémunérer. Et je voudrais dire à quelqu'un, si tu es venu prier aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la foi en toi. Et là où il y a la foi, les miracles sont visibles. Je déclare à partir d'aujourd'hui que Dieu t'augmente la foi. Écoutez, là où il y a la foi, il y a l'attente. Écoutez, Yoka. Dieu n'a pas répondu déjà instantanément quand ils ont prié. Dis à ton voisin, il faut chercher continuellement tout en ayant l'attente dans ton cœur. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu n'as pas d'attente, tu es comme un pneu sans air. Et j'ai envie de le dire plus haut. Il y a des miracles parfois qui ne sont pas destinés à nous. Mais quand ça passe dans un environnement où il y a l'attente, ces miracles peuvent ériger domicile sur une adresse qui n'était pas l'adresse initiale. C'est pourquoi la femme qui perdait le sang, ce n'était pas son jour de miracle. C'était le miracle de la fille de Jairus. Jésus ne se déplaçait pas pour elle. Jésus se déplaçait avec le père pour aller guérir la fille. Mais arrivé en route, ils ont rencontré une femme qui n'a jamais prié. Mais tout ce qu'elle avait, c'était l'attente, parce qu'elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de sa robe. Et lorsque l'onction passait et que l'onction a trouvé l'attente, je déclare ce soir, peut-être que ce n'est pas ton jour, peut-être que ce n'est pas ta soirée, mais si Dieu trouve la foi, si Dieu trouve l'attente, ce qui va toucher les voisins passera d'abord par toi avant d'arriver. Oh my God, je prophétise ce soir, tu vas goûter dans la visitation de ton frère. Dis à ton voisin, je vais goûter
ce qui est à toi, à cause de ma soif, à cause de mon attente, ça va aussi passer par moi avant d'arriver chez toi. Que celui qui a la soif pousse des cris de joie pour le roi. Ta capacité à voir la face du Dieu de la délivrance est caché dans ta foi. Pardonne-moi un bon amen. Ta capacité à voir la face du Dieu de la délivrance est caché dans ta foi. Et où est-ce que je tire cette formule? C'est à la tombe de Lazare. Regarde. Atali. Ne t'ai-je pas dit? Naebisa kayote. Que si tu crois, et te sokonzimi, tu vas shifter de la dimension de la croyance à la visibilité. Okolongwa na epebelo oyo ya konzima, okoma na komona. C'est comme s'il voulait lui dire. Eza kwa linga koloba na ye. Si tu veux découvrir la facette de ma personne en tant que résurrection. Sokolingi okundola elongi ya moto nanga lokwa lise kwa. Prête-moi ta foi. Si tu crois, tu verras. Maintenant, comment est-ce que tu manifestes la foi? C'est en priant. Et c'est pourquoi ce jour-là, l'église, priez continuellement, sans arrêter. Pas seulement parce qu'ils avaient la révélation du Dieu de la délivrance, mais parce qu'ils avaient la foi et l'attente dans leur cœur que le Dieu de délivrance finira par se manifester. Oh, j'ai envie de déclarer, avant qu'on arrive samedi de cette semaine, commençant par la soirée d'aujourd'hui, les choses que tu attends dans ton cœur de la part de Dieu seront oui et amen. C'est celui qui me dit amen, qu'il te soit fait selon, que Dieu te visite selon la taille. Montre-moi ta foi, je te montrerai ce que Dieu fera. Montre-moi la taille de ta foi, je te montrerai la taille de ton miracle. Je prophétise ce soir, reçois la grâce de manifester une nouvelle dimension de foi pendant que tu cherches le Seigneur. Amen. Ouais. Troisième chose que nous voulons remarquer sur ces versets, c'est que quand la Bible dit l'église ne cessait d'adresser à Dieu des prières. Voilà ce que j'ai découvert. L'église avait compris que la prière était l'une des voies majeures et irremplaçable pour chercher et trouver la face de Dieu. L'église a compris ça. Notez cela. L'église avait compris. Ou savait que la prière est l'une des voies majeures et irremplaçable pour chercher et vivre la face du Dieu de la délivrance. C'est pourquoi quand il prie, il prie continuellement. Pourquoi ils n'ont pas décidé d'organiser une fête, de communier ensemble pour que Dieu délivre Pierre? Pourquoi ils n'ont pas utilisé la méditation, qui est bien sûr aussi une voie pour découvrir Dieu? Mais ils se sont mis dans la prière. C'est parce que bien longtemps, bien avant, ils avaient déjà compris que dans le monde spirituel, dans le principe de Dieu, la voie qui nous amène à la découverte de sa face et sa face dans la taille même de la délivrance, c'est la prière. Et cette voie est irremplaçable. J'aimerais dire
dit à toute l'église, il n'y aura jamais aucune innovation à l'église qui remplacera la prière. Quelle que soit la modernisation que le monde peut connaître, il n'y aura jamais des activités, des sports, des films, je ne sais pas, tout ce que nous pouvons faire qui va remplacer la prière. Parce que dans le calendrier divin, dans le programme divin, la prière est considérée comme le tuyau qui nous conduit vers la découverte de la face de Dieu. Et je viens de déclarer ce soir, reçois l'onction de la prière. Je sais que tu as commencé à prier, mais à partir de ce soir, reçois une nouvelle énergie. Parce que j'ai compris dans les écritures, sur 98% des textes qui parlent de la délivrance, 98% de ces textes, 100% des textes, 98%, la délivrance est venue par la prière. C'est-à-dire, si vous étudiez les écritures, partout où Dieu a libéré les gens de quelque chose, vérifiez dans le fond. Quelqu'un a prié. Et on peut faire une petite démonstration scripturaire. La Bible dit quoi? J'ai entendu le cri de mon peuple. C'est pourquoi je suis descendu. Pour faire quoi? Pour les délivrer. Ce qui l'amène afin de délivrer, c'est l'écoute des cris. Quelqu'un peut crier ce soir. Que ton cri, je dis que ton cri révèle le Dieu de la délivrance. Que ton cri attire le Dieu de la délivrance. Pendant que tu cries, que les montagnes tombent. Pendant que tu cries, que l'aveuglement de Bartimée qui t'empêchait de voir de nouvelles choses tombe. Et que le Dieu qui est en train de passer, qu'il s'arrête. Et que ce que tu ne pouvais pas voir commence à tomber. Dis après moi, je reçois cela. Mais on peut encore aller plus loin. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Pourquoi il est sauvé? Parce qu'il a invoqué. Donne-moi un bon amen. Celui qui me dit un bon amen, je continue. La Bible déclare, vous m'invoquerez, je vous répondrai, et puis je vous délivrerai. Pourquoi est-ce qu'il nous délivre? Parce que nous l'avons invoqué. La Bible déclare, vers minuit, Paul et Silas chantaient des louanges et faisaient quoi? Et priaient. Tout à coup, le fondement de la prison. J'ai envie de dire à quelqu'un, tout ce qui n'est pas de Dieu, qui a été mauvais fondement, ce soir, que Dieu t'accorde la délivrance par rapport à cela. Tout mauvais fondement dans le mariage, mauvais fondement dans le ministère, mauvais fondement dans les affaires, que Dieu brise cela pour s'inscrire que le Dieu entend ta prière. Dis après moi, je reçois cela. Dis après moi, je reçois cela. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les délivra de leurs angoisses. Pourquoi il les délivre? Parce qu'ils ont prié. Et ce qui m'étonne, l'église primitive était avertie déjà que si nous voulons voir la face du Dieu de délivrance, tout ce que nous devons faire, c'est prier.
Même si ça traîne, même si rien ne se passe, mais ce que moi je sais, là où il y a un homme qui prie, il y a aussi un Dieu qui agit. Je viens dire à quelqu'un, l'année passée ça n'a pas marché, mais cette année, avant qu'on arrive à la fin, comme on est en train de continuer à chercher sa face, il y a un Dieu au ciel. Quelqu'un peut bouger un peu comme ça, bouge un peu comme ça. Je prie que les choses qui étaient stagnantes entrent en mouvement. Parce que nous ne sommes pas venus ici juste pour se regarder. Nous sommes venus parce que nous avons trouvé la voie. La voie qui s'appelle la prière. Pour que nous puissions découvrir la face de Dieu. Et je déclare, tu ne quitteras pas de cet endroit que tu es venu, parce qu'il y a un Dieu, un Dieu qui te livre. Donne-moi un bon amen et je prêche. Donne-moi un bon amen et je prêche. Donne-moi un bon amen et je prêche. Fais comme ça. 7. Dis après moi 7. Dis après moi 7. Il y a 7 choses qui arrivent quand l'église comprend que la prière est la voie qui nous permet de voir la face de Dieu. 7 choses arrivent. Dis à ton voisin, maintenant là, ces 7 choses vont prendre place dans ma vie. On regarde notre voisin. Dis-lui maintenant, ces 7 choses vont prendre place dans ma vie. Donne-moi un bon amen. Dis après moi un. Dis après moi un. Lorsque la prière est engagée, la prière transforme notre lieu de combat en un lieu de visitation et de réveil. Donne-moi un bon amen. Je dis que quand la prière est engagée, Dieu transforme le Dieu de délivrance, notre lieu de combat, en un lieu de visitation et de réveil. C'est pourquoi la délivrance de Pierre n'a pas commencé en dehors de la prison. Dieu a transformé la prison en un lieu de visitation. L'ange n'est pas descendu en dehors. C'est-à-dire que quand vous engagez la prière, dans le même moment de vos batailles, dans le lieu de votre humiliation, Dieu va vous visiter. Et puis quand il vous visite, il ne vous libère pas d'abord des chaînes. La première bénédiction qu'il vous donne, c'est la lumière. Dis à un voisin, c'est la lumière. Dis-lui très bien, c'est la lumière. Quand Dieu visite un homme, la première chose qu'il veut, c'est que l'homme accède d'abord à la lumière. Dis à un voisin, la lumière. Regarde, lui dit encore la lumière. Mais quelqu'un va me dire, mais apôtre, la lumière c'est quoi? La Bible déclare, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière. Je prie que dans tes batailles, avant que Dieu ne te libère de la pauvreté, il t'accorde d'abord accès à la lumière de la parole. Celui qui connaît la lumière de la parole ne va jamais compromettre sa foi à cause de biens matériels. Parce que c'est la première chose qui vient éclairer les ténèbres de ta vie. Dis après moi, c'est quoi la lumière? La lumière, ce n'est pas seulement la parole. La lumière, c'est aussi tout enfant de Dieu qui a atteint la taille de Christ. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Alors quand Dieu veut délivrer un homme, il ne lui donne pas seulement des choses, il lui donne aussi les enfants de la lumière qui deviennent ses amis, qui deviennent ses connexions. À partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne des amis qui ont la taille de Christ comme lumière. Lorsque tu veux mal te comporter, ils te disent attention, 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 il ne faut pas aller cette route, parce qu'ils sont une lumière.
lumière. Dis à ton voisin, je suis une lumière. Là où il y a les ténèbres, moi je veux éclairer. Là où il y a l'ignorance, moi je veux éclairer. Quand j'ai la connaissance de Christ. Dis à ton voisin, c'est quoi la lumière? Dis-lui que la lumière, c'est aussi Jésus-Christ. C'est pourquoi lui-même a dit, je suis la lumière. Et ce qui me plaît, c'est que quand je lis la Bible, mon ami, je suis étonné de voir que dans la Bible, dans Genèse, les jours ont commencé à être comptés, le jour où la lumière a été créée. C'est-à-dire que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Aussi longtemps que la lumière n'est pas encore là, le temps n'est pas encore compté. Tout homme qui n'a pas encore rencontré la lumière Christ peut être sur la terre, mais n'a pas encore commencé à vivre. Parce que le temps avant la lumière n'était pas compté. On dit seulement que Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme vide. Et puis il y avait des choses. Oui, Dieu dit que la lumière soit. Maintenant la Bible dit, il y eut un soir, puis un matin, ce fut le premier jour. Je déclare aujourd'hui la lumière entre dans ta vie. Et je déclare, il y a des jours qui peuvent rester inaperçus, mais il y a des jours qui ne restent jamais inaperçus. Le premier jour, c'est le jour où tu avais donné ta vie à Jésus-Christ. C'est ce jour où ton temps a commencé à être compté comme une personne vivante sur la terre. Mais aussi, quand tu reçois toute révélation de la parole de Dieu, ça te permet de naître dans une réalité spirituelle que tu n'avais pas encore connue avant. Ce que j'essaie de dire ce soir, la prière peut faire que dans vos moments là, des batailles là, au lieu que Dieu vous délivre d'abord, il vous visite et puis il vous amène au réveil. Écoutez, c'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens dans l'église, il a la révélation, il est réveillé, mais il est encore en prison, il est encore limité. Pierre était déjà réveillé, le réveil était déjà entré, la lumière était déjà là, mais il était encore limité. Vous savez pourquoi? Il ne faudrait pas que l'élévation ou la prospérité physique précède ton éclaircissement ou ton réveil spirituel. Alors il ne faut pas être troublé si financièrement les choses ne marchent pas très bien. Aussi longtemps que tu vis le réveil, aussi longtemps que Dieu est en train de t'équiper avec sa lumière, sache que la finalité, c'est la libération dans tous les domaines de la vie. Parce qu'une personne que Dieu a visité ne restera pas en prison. Je viens déclarer ce soir, tu vas quitter de la limitation. Même si maintenant tu n'as encore rien, mais il y a un Dieu au ciel qui va visiter ta destinée. Dis après moi deux. Dis après moi deux. C'est que j'aime. La prière peut faire en sorte que l'agenda satanique soit interrompu. La prière de délivrance, ou qui croit, la prière qui est faite par un homme qui croit dans Dieu de la délivrance, peut interrompre le processus de l'agenda satanique. Rappelez-vous,
Quand Pierre est en prison, il était sous un agenda. C'est quoi l'agenda? C'est que le jour suivant, il y avait des choses qu'Hérode devait continuer. Mais parce que l'église a prié, l'agenda d'Hérode a été suspendu. Et ce qui devait se faire le jour suivant ne s'est jamais fait. Je viens dire à quelqu'un, c'est quoi le programme du diable contre ta vie? Ce soir, il y a un Dieu de délivrance qui va interrompre ces scandales qu'on a déjà programmés, cet empoisonnement qu'on a déjà programmé, cette humiliation qu'on a déjà programmée. Tout ce que toi tu as à faire, c'est de faire quoi? Continuer à chercher le Dieu de la délivrance. Et pendant que je parle, j'aimerais dire à quelqu'un, ce programme là du diable et de tes ennemis s'arrête ce soir. Je dis s'arrête ce soir. Si on a prévu que tu vas mourir par accident, je déclare, ils seront étonnés. Ils seront étonnés qu'en 2024 tu seras encore vivant, parce que la prière nous permet de déjouer le calendrier de l'ennemi. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Vous savez, j'ai envie de prophétiser sur quelqu'un. Pendant que j'ai prié, Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu vois? J'ai vu une personne qui était dans un lieu qui était entouré de portes, mais ces portes étaient fermées. Et j'ai vu d'un coup par la présence de la lumière, les portes se sont ouvertes. Et j'ai posé la question au Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, parmi les bénédictions que j'ai libérées dans ces bundas, et spécialement dans la soirée d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui pendant longtemps ont vécu dans une vie avec des portes fermées. Partout où ils veulent aller, les portes sont fermées. Mais j'ai décidé, dans la soirée d'aujourd'hui, de leur ouvrir les portes. Et vous savez ce qui me plaît? C'est de constater, dis à ton voisin, toi, que la prière peut ouvrir les portes, même sans l'accord de celui qui détient les clés. Je répète encore, la prière peut pousser au Dieu de la délivrance d'ouvrir les portes, même sans l'accord et la participation de celui qui détient les clés. Ce qui m'étonne, c'est quoi? C'est que les prisonniers avaient les clés. Mais quand Pierre sort, on lui a laissé les clés et personne n'a pris les clés. On leur a laissé leurs clés, mais la porte a été ouverte. Je viens prophétiser ce soir. Tout celui qui avait un mot à dire, ce soir on lui laisse le mot. Tout celui qui avait la clé pour que tu entres dans une certaine dimension, on lui laisse la clé. Mais ce qui est vrai, ta porte souffre. Ce qui est vrai, il va te trouver dans les lieux de ta gloire, mais lui avec sa clé dans sa poche. Il y a un voisin, nous lui laissons les clés. On lui laisse les clés. Qui est celui qui s'est opposé à ton avancement? Qui est celui qui a refusé ta promotion? Qui est celui qui empêche ton épanouissement? J'aimerais leur dire prophétiquement, le Dieu de la délivrance vous laisse les clés. Mais lui-même, rappelez-vous, c'est quand même Pierre. Le jour où il a dit, tu es le Christ. Deux promesses ont été faites. Première promesse, c'est que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne pourront rien. Et puis, je te donne les clés. Ton Pierre avait d'autres clés que les prisonniers ne connaissaient pas, que les prisonniers ne voyaient pas. Et parmi ces clés-là,
C'est la prière qu'il a bénéficié de l'église. Je viens déclarer ce soir. Laisse-le leur dernier mot. Laisse-le garder les clés. Je prophétise par le mandat que Dieu m'a donné. Entre dans la porte qui était fermée. Dans ton ministère, une nouvelle dimension. Dans ta vie spirituelle, une nouvelle dimension. Dans ta capacité à prophétiser et à voir les réalités spirituelles. Que les portes s'ouvrent. Je dis que les portes s'ouvrent. Et dans le monde physique. Et dans le domaine spirituel. Allez, je prophétise. La porte de la sagesse s'ouvre. La porte de la révélation s'ouvre. La porte des contacts avec les aides de la destinée s'ouvre. La porte des voyages qui doivent t'amener sur le territoire prophétique de ta destinée, cela s'ouvre. Celui qui dit amen, autour de toi les portes s'ouvrent. Je dis autour de toi les portes s'ouvrent. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu de délivrance ce soir qui entend la prière. Celui qui est en train de pousser des cris de joie. Que ce Dieu de délivrance soit ton Dieu. Je dis soit ton Dieu. Fais ça, soit ton Dieu. Fais ça. Dis après moi 4. Dis après moi 4. Mon ami, je me suis rendu compte que les personnes qui cherchent Dieu continuellement ne cherchent pas les choses, mais les choses les cherchent. Parce que je suis étonné que l'église était en prière très loin de la prison. Au lieu que l'église aille chercher Pierre, c'est la prière qui a fait que Pierre quitte de là où il était pour aller chercher l'église qui était en prière. Je viens déclarer ce soir, tu ne vas pas chercher le mariage, tu ne vas pas chercher le voyage. La Bible dit ces choses là ce sont les païens qui les cherchent. Nous allons rester en train de chercher continuellement. Plus tu cherches Dieu, ton Pierre va quitter là où il est pour venir toquer à ta porte. Celui qui me dit amen, tu vas trouver chez toi ton Pierre. Et pendant que tu as le main levé, que ton Pierre vienne vers toi, que ton travail vienne vers toi, que ton mariage vienne vers toi, que tes opportunités viennent vers toi. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et puis les restes. C'est comme ça que Pierre, l'église n'a pas fourni d'efforts. L'église a simplement appelé les dieux de la délivrance, et puis Pierre a quitté de la prison. Écoute-moi très bien, ce qui est à toi connaît ton adresse. Je dis ce qui est à toi. Connais ton adresse. En Swahili on dit. À toute ta fille. À toute ta fille. Si ce mariage est à toi. Gloire à Dieu. Si cette onction là est à toi, gloire à Dieu. Mais ce qui est aussi à moi, personne n'a le droit. Je dis bien personne n'a le droit. C'est pourquoi, bien que l'anneau était lié au village, c'était un anneau sur lequel aucun homme, ne s'était assis, parce que c'était une place réservée à Jésus-Christ. Même si tu as des batailles, personne ne va s'occuper ou personne ne va s'asseoir sur les choses qui appartiennent à ta destinée. Tu me dis un bon amen et Dieu te fait la grâce. Amen. Et c'est en méditant que le Seigneur m'a enseigné une chose
qui est très forte. Yamakasi. Tout ce qui est venu par la prière. Oh, non, ce yana nzela ya losambo. Ne peut se conserver que dans le lieu de la prière. Et la makaka na esika losambo. C'est pourquoi quand Pierre quitte la prison. Yangwana tangu pete la longwe boloko. Il n'est pas allé dans une fête. Akendaka na fetite. Il n'est pas allé dans une boîte. Akendaka na ekalate. Il n'est pas allé poster les photos. Akendako tia ba photo te ba tomona. Il est allé dans le lieu. Akendaka na esika. Où sa délivrance était venue. Et pas kokango la manaye utaka. Tu ne peux conserver tout ce que Dieu te donne ici en restant attaché à sa présence. Tout ce que tu auras dans Bunda à partir de ce soir a un lieu de conservation. C'est lieu de conservation. Et c'est la présence de Dieu. Aussi longtemps que tu demeures attaché à ces lieux-là, personne Motote n'aura le pouvoir de te détruire. Vous savez, oui. Dieu est formidable. Zamazamala mou makasi. Papa, tu sais que quand quelqu'un prie et cherche Dieu, Dieu est capable d'engager les ennemis et les personnes qui sont contre toi pour se battre entre eux-mêmes sans que toi tu ne les touches. Le Dieu de délivrance est terrible. C'est comme vous allez voir dans ce texte, les mêmes gardes qui ont gardé Pierre sous l'autorité d'Hérode, ce sont les mêmes gardes que Hérode lui-même a fait périr. C'est-à-dire que dans leur propre équipe, eux-mêmes, sans l'intervention de Pierre. Vous savez, quand vous cherchez Dieu, vous allez avoir aussi des batailles que vous allez vaincre proprement. Pierre n'a pas touché un militaire. Mais entre eux-mêmes, je prie ce soir. Pendant que toi tu cherches Dieu, entre eux-mêmes, qu'ils s'entretuent. Entre eux-mêmes, qu'ils se compliquent. Est-ce que tu peux d'abord commencer à élever le Dieu de la délivrance? Est-ce que tu peux adorer le Dieu de la délivrance? Parce qu'il s'est révélé à toi par la parole. Le Dieu de délivrance est ton Dieu. Il veut révéler sa face à toi. Fais précéder ta délivrance par une forte adoration. Je sens la grâce de Dieu ici. Je ne sais pas comment on va finir ce culte. Quelqu'un peut adorer le Seigneur.
Nos mains levées. Permettez-moi de donner l'espace au Saint-Esprit pour quelques minutes. Parce qu'il m'a dit, regarde, il y a des gens qui sont entourés par une vie de portes fermées. Entouré par une vie de portes fermées. J'ai entendu leur prière. Levez les mains. Je prie pour que le Dieu qui ouvre les portes et qui permet aux gens qui cherchent sa face de vivre avec gloire leur destinée, expérimente Babika dans la soirée d'aujourd'hui des ouvertures. Des ouvertures qui ne vont pas forcer, mais des ouvertures qui sont liées à ta parole, liées à la chose que tu as montrée. Au nom de Jésus. Et je prie pour qu'à partir de ce soir, que tu aides tout le monde qui a été exposé à cette parole à vivre les dieux de la délivrance. Au niveau du cœur, au niveau de l'âme, au niveau des pensées, au niveau des domaines de la vie. Et que l'esprit de la parole qui a été dégagé ce soir pousse tout le monde en prière. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Église, pouvons nous asseoir. Nous sommes dans une saison où Dieu est en train de se révéler. Mais écoutez ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Nous devons prier parce que le monde des ténèbres dans ces territoires a décidé de se lever pour compliquer la continuité de notre action par un événement désagréable. Et je veux que pendant une minute que nous puissions déclarer que tout ce que le monde des ténèbres a arrêté pour affecter la continuité de ce Bouddha. Écoutez, on est encore là. J'aurai le temps de service pour prier pour les gens. Mais je veux que nous puissions faire une forte prière ce soir. Arrêter tout événement désagréable au niveau des serviteurs, au niveau de la foule et au niveau de l'église, même au niveau de nos familles. D'accord, nous prions. Est-ce que tu peux monter dans une forte prière?